Bonjour à tous, je reviens cette fois-ci de la chèvrerie des embêchés avec une bûche de chèvre et Benoît va nous proposer quelques petits toasts. Salut Benoît. Salut. Donc je vous propose une version très simple. Donc une baguette ou un pain portion qu'on va couper en deux. Je badigeonne l'huile d'olive. J'utilise une pomme de Noël. J'enlève les pépins. Et je coupe des lamelles. Alors c'est pas la peine de couper trop fin puisqu'elles vont cuire et puis qu'on va chercher à apporter à la fois un peu de douceur et en même temps un peu de croquant. Exactement. La bûche de chèvre, pareil, on coupe des belles lamelles. Je dispose donc les rondelles de chèvre. Je mets une lamelle de pomme. Alors comme tu l'as précisé Benoît, c'est très simple. Très simple, ouais. Mais très facile. Ça fonctionne bien, c'est très bon. On peut revoir aussi la taille et puis le faire, pourquoi pas, en amuse-bouche. Exactement, en petite portion. Petite portion, ouais. Et je finis avec l'huile d'olive et un tour de moulin à poivre. Donc on enfourne la tartine à 200 degrés pendant 10 à 12 minutes. Pour cette recette, alors j'utilise un pain de campagne. Alors ne pas hésiter à découper dans un autre format ou dans un autre sens que celui auquel vous auriez pensé spontanément. Parce que là, la découpe donc là, on fait une... dans ce sens-là permet d'obtenir de belles tranches. J'ai passé la tartine au grille-pain. Je badigeonne légèrement avec de l'huile d'olive. Là, on va broyer les noisettes et les pignons de pain. Donc on peut les broyer soit à la main ou avec un pilon. Donc là, on va prendre le chèvre dans sa longueur et on va couper deux belles tranches. Je dispose le chèvre sur la tartine, donc. La julienne de jambon cru. Donc là, c'est tout simplement une tranche de jambon cru assez fine que tu as coupé dans la longueur. Voilà, en julienne. Le mélange pignon de pain noisette. Donc là, on aura un petit croquant. Ça va être sympa. On finit avec du miel. Donc là, pour le sucré. Et un peu de moulin à poivre. Voilà, le poivre. Donc là, j'enfourne la tartine à 185 degrés pendant 12 à 15 minutes. Alors Benoît, tu nous proposes un petit assaisonnement pour accompagner nos toasts de chèvre. Voilà, un petit assaisonnement minute. D'accord. Très facile à faire. Alors on t'écoute. Donc, une pincée de sel, vinaigre balsamique, poivre du moulin. Que je monte avec de l'huile d'olive. De l'huile de sésame. Donc quelques gouttes, hein, c'est très puissant. Quelques gouttes de magie. Je suis bien d'accord qu'en Alsace, on ne peut pas faire un assaisonnement sans du magie. Un bon Alsacien qui se respecte, mais du magie. Et on rajoute une petite pincée de ciboulette ciselée. Et la vinaigrette est terminée. Après 12 minutes de cuisson, donc la tartine est prête. On assaisonne la petite salade de mâche avec la vinaigrette. Et voilà l'autre version. Voilà, donc là, on finit avec la ciboulette ciselée. Assaisonnement sur le mesclun. Bah merci Benoît pour cette nouvelle recette. Merci à vous. À bientôt.
bientôt.